c'est d'enseigner les règles donc d'hygiène à la piscine. Évidemment, s'il y a une plaie, s'il y a un pansement ou autre, ça contamine la qualité de l'eau. Et ce qu'on veut, c'est sensibiliser les enfants, qui puissent après secondairement sensibiliser les autres acteurs de leur famille également, pour dire que c'est important qu'il y ait une hygiène préalable. Hein, donc, effectivement, quand on va à la piscine, on enlève ses chaussures, on se change, on met son maillot de bain dans son sac, on ne vient pas avec son maillot de bain sur soi, on se change, on prend la douche, on va dans le pédiluve, et après, quand on repart, on reprend une douche, voilà, et on se savonne largement. Voilà. Tout ça. Puis si on est malade et qu'on a des bobos, même si on a très envie d'aller à la piscine, eh ben on n'y va pas parce que voilà, on aggrave son corps et on rend malade les autres. Et parce que donc le risque c'est la pollution, en fait, la pollution microbiologique qui arrive de par ces réactions avec le chlore. Donc c'est pour ça que ça c'est très très important et ça nous permet aussi de garantir au niveau de la piscine la qualité également, parce que si chacun a ses mesures de prévention, on va garder une hygiène importante pour la piscine et que après le but également c'est que les adultes, les tout venants puissent être sensibilisés à ça aussi. Mais ça c'est déjà, on commence par une opération avec les enfants des CP pour pouvoir après faire des opérations de grande échelle. Et puis aussi c'est quand il y a des opérations comme ça qui touchent les enfants, je veux dire pédagogiques, il y a un suivi. C'est-à-dire on ne se fait pas plaisir, vous voyez, aujourd'hui on vous invite, on fait une photo. Non, c'est, le but du jeu c'est de poursuivre et de développer ce genre de... et que tout le monde en est bénéficiaire parce que, je veux dire, même celui qui ne se sent pas concerné, en tant que contribuable, si la qualité de l'eau est là, eh ben, les coûts de fonctionnement piscine s'en vont automatiquement bien gérés. Dire, mais tout le monde en est une bénéficiaire, quoi. Oui, la santé et la sécurité, et puis les finances aussi. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que la piscine, c'est quand même 190 000 entrées par an. La piscine on est compte. Hein, donc, je m'appelle Fabien, je fais de la natation depuis l'âge de 6 ans, je suis en équipe de France, j'ai été champion olympique et champion du monde, et comme vous, j'ai été à la piscine faire de la natation avec mon école. La natation, c'est ma passion. Pour profiter de l'eau, il faut être propre et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons nager ensemble, mais pas n'importe où, dans la piscine où j'ai débuté ma carrière. Nous allons voir ensemble les quelques règles d'hygiène nécessaires pour profiter de l'eau. Allez hop, à la douche! Pour être propre et en bonne santé, il faut se laver tous les jours, les dents, les mains et bien sûr le reste du corps. Quand tu vas à la piscine, n'oublie pas de prendre également ta douche. Et voilà, enfin prêt pour aller s'amuser et nager. Notre copain Archie va t'expliquer plein de choses pour aller à la piscine. Regarde comment font Tom et Léa et plonge avec moi. Salut tout le monde! La piscine c'est trop cool! Wouhou! Mais pas si vite! Nous allons voir d'abord ce qu'il faut faire avant d'aller dans l'eau. Il y a plusieurs choses à savoir pour passer un moment génial ensemble. Aujourd'hui, la classe va à la piscine. Je vous présente Léa et Tom. Avez-vous bien apporté la panoplie complète? Ouais! Dans ton sac, tu as bonnet de bain, savon, shampoing, serviette et bien sûr, un maillot de bain tout propre. Maintenant, les filles vont aller dans les vestiaires des filles et les garçons dans les vestiaires des garçons. C'est parti! Stop! Et regarde! Les semelles de tes chaussures sont pleines de microbes. Enlève-les pour ne pas salir le sol. Hop! Pieds nus! C'est le moment de mettre ton maillot. Pense à passer aux toilettes avant d'aller dans l'eau. Sinon, n'aie pas peur de demander d'y retourner plus tard si t'as besoin. On se savonne bien le corps, les cheveux et le visage pour être bien propre. Ouais! Et surtout, n'oublie pas le bonnet de bain! Facile à mettre et anti-cheveux dans les yeux, tu peux toujours compter sur lui! Il manque une dernière étape très importante. On doit absolument passer par le pédiluve. Pédiluve. L'eau du pédiluve élimine les derniers microbes de tes pieds. Bah,
parce que personne voudrait se baigner avec eux. Vous êtes prêts pour la piscine? Sans courir! C'est déjà l'heure de partir! Et si on faisait tout, mais dans l'autre sens? 1, 2, 3, 4, musique! Le pédiluve, faut y passer, c'est important, avant et après. Enlève ton bonnet surtout, pour te savonner partout. Sèche-toi le visage, quel que soit ton âge. Sèche-toi bien aussi les pieds, c'est important la propreté. Et voilà, c'est fou tout ce qu'on a appris, hein? Je compte sur toi. Bon allez, je dois y aller, à la prochaine. Sympa Léa et Tom, vous avez tous bien compris, la santé c'est très important. N'oubliez pas de bien manger, des fruits, des légumes, de bien dormir. Personnellement, c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de vitamines et de force pour gagner toutes mes médailles. Mais attention, n'oubliez pas de vous amuser et surtout de prendre beaucoup de plaisir. Ciao. 1, 2, 3, 4, musique. Le pédiluve, faut y passer, c'est important, avant et après. Enlève ton bonnet surtout, pour te savonner partout. Sèche-toi le visage, quel que soit ton âge. Sèche-toi bien aussi les pieds, c'est important la propreté.